pendant ces 2 ans et demi et 6 mois de formation au noviciat, Marie-Solange est entrée progressivement dans notre forme de vie. Elle a compris que se donner à Dieu dans la vie consacrée, c'est choisir la petite voie, celle de l'humilité, de la miséricorde et de service. Dans la vie de prière, Marie-Solange a fait l'expérience de la fidélité de Dieu et de la bonté du Christ bon pasteur qui l'accompagne au quotidien. Je fais vœu de chasteté, pauvreté, et obéissance à la suite du Christ pour 3 ans dans la congrégation des religieuses de l'Assomption et selon leurs règles de vie. Comme Marie, je me remets à l'amour du Père, à la grâce du Seigneur Jésus et à la puissance de l'Esprit. Amen. Marie-Solange Mandundu. Alors, tout à l'heure, dans cette salle, à cet endroit, vous avez changé de costume en quelques minutes ou en 1 heure maximum. On dirait un mariage, hein? C'était quoi? Aujourd'hui, le 13 avril 2024, le Seigneur m'a fait la grâce d'entrer officiellement dans la congrégation des religieuses de l'Assomption à travers le vœu temporaire. C'était le vœu? Oui. Quel vœu? Vœu de chasteté, pauvreté et obéissance. Alors, on a présenté un homme et une femme en disant c'était vos parents, c'est ça? Oui. Ils sont venus de loin? Oui. D'où? Ils sont venus de Lozo. Alors, et vous leur avez dit que vous avez quitté la famille, peut-être? Vous vous êtes retrouvés à Kinshasa? Lozo, c'est très loin, j'imagine bien, dans ce pays, ce vaste pays. Alors, on vous appelle désormais ma sœur, c'est ça? Oui. Avant, vous étiez? Novice. Novice. Et c'est celle qui est ici, oui, qui vous a préparé à quitter cet état de novice. Oui. Oui. Je suis sœur Françoise Camagne.
religieuse de l'Assomption. Je suis au noviciat, je suis la responsable de formation de nos jeunes sœurs au noviciat. Le noviciat, c'est justement l'étape qui prépare une jeune fille à dire oui ou non à sa suite du Christ dans une congrégation religieuse. Ce temps, après, nous avions pris 2 ans pour la préparer dans le dialogue, la formation, l'accompagnement régulier et la vie communautaire, puisque nous faisons une communauté de formation. J'ai mes 2 collaboratrices avec qui nous cheminons jour après jour pour l'initier à ce qui est propre à la congrégation, le charisme, la relation au Christ, et puis la formation théologique, tout ce qui touche la relation avec le Christ. C'est pour cela, aujourd'hui, elle a pris le nom de Marie Solange du Bon Pasteur. Elle a même changé de nom, pas seulement de costume, elle a même changé de nom. Où se trouve ce noviciat? Notre noviciat de l'Afrique centrale se trouve à Kibomango. Ici à Kinshasa. À Kinshasa, dans la sous-paroisse Saint-Hubert, dirigée par les Oblats de Marie Immaculée. Vous en avez d'autres après Marie Solange Mandundu? Après Marie Solange, il y a 5 autres qui se préparent à devenir religieuses dans notre famille religieuse. On les a vus danser, j'imagine bien que c'était elle. Oui. Alors, vous avez parlé de la grande famille des religieuses de l'Assomption. On a vu, c'est vous, ma sœur, qui avez reçu cette promesse, si j'ose dire, ces vœux. Je suis sainte Delphine Grasse, religieuse de l'Assomption, supérieure régionale de l'Afrique centrale, religieuse de l'Assomption. J'ai reçu les vœux de ma jeune sœur, Marie-Solange Mandundu, et c'est une très grande joie pour moi, personnellement, et pour la grande famille Assomption, et plus particulièrement pour les sœurs de l'Afrique centrale. Donc, accueillir un nouveau membre, c'est toujours une occasion de grande joie et de bénédiction, d'action de grâce. Et c'est ce que vous avez vu vivre pendant la célébration eucharistique. L'Afrique centrale, ça va jusqu'où? Afrique centrale, Cameroun, Congo, RDC. Combien y a-t-il de sœurs jusqu'à maintenant? Presque une trentaine de sœurs. Presque une trentaine. De Camerounaises et de Congolaises? Camerounaises et Congolaises. Moi-même, je suis Camerounaise. Dis-je, allez, Marie Solange Mandundu, là, vous quittez Kibomango. Où est-ce que vous allez vivre maintenant? Je vais venir vivre pour le moment à Lemba. Merci. Allez, bonne fête, hein? C'est la musique. On entend la musique. Bonne fête, mes sœurs. Merci, père. Allez. Bonne fête. Nous sommes ici à Kinshasa, donc qui est content, la province du Kwilu, la grande province des Bandundu, est très très content par notre communauté des Bandundu. Je suis vraiment très très content, ravi, parce que ça ne m'étonne pas. Je priais toujours le bon Dieu pour qu'il puisse faire sortir un serviteur
consacré dans ma famille parce que je l'ai servi grandement. D'abord comme dirigeant de chorale dans ma paroisse. Quelle paroisse? Paroisse de Lozo. Dans quel diocèse? Saint-Eugène de Masnod, dans la paroisse, dans les diocèses d'Idiofa. Province du Kwilu. Province du Kwilu. Oui. C'est là où nous évoluons. Et puis, j'étais aussi responsable du mouvement des formulaires pendant plusieurs années. Pas seulement ça, aujourd'hui, je suis aussi berger de la famille communautaire, de la communauté famille chrétienne. Et je tiens toujours bon pour qu'on puisse faire sortir un serviteur de Dieu dans ma famille. Et alors, cela est arrivé, je suis vraiment ravi. Alors, à part tout ce que vous venez de dire que vous faites dans l'église, que faites-vous d'autre dans la vie? Oui, dans la vie, je suis préfet des études de l'ITP Lozo, dans la paroisse même que j'ai mis de citer, Saint-Eugène de Masnod, Lozo, dans les décès d'Idiofa et dans, le, dans la province de Kwilu. Vous avez d'autres filles? Oui, oui, j'ai, en principe, j'ai mis au monde 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Alors, vous avez une fille qui va vous donner des petits-fils et Marie Solange, elle est consacrée. Oui, Marie Solange est consacrée. Vous ne le regrettez pas? Non, non, je ne regrette pas. D'abord, c'est comme je vous ai dit au début là. Oui. Je suis vraiment ravi parce que je l'ai présenté déjà qu'il faut un serviteur de Dieu dans ma famille. Et c'est une famille vraiment de prière. Et là, avec celle qui est restée, elle est en formation à l'ISP de Kibit, en première LD, L1, pardon. Je pense que pour elle, elle va nous donner des petits-fils et des petites-filles. Allez, merci. Félicitations. Hein. Merci, bonne fête. Hein. Ok, à vous autant, mon père. Merci. Ok, vraiment, je suis très content. Comme le bain, 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 comme le bain.